Bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez exceptionnelle. La première de ce genre sur la chaîne Colique Fantastique. Ça va être un petit concours, tout simplement, pour faire gagner des petits trucs. Voilà, enfin, du moins à la personne qui arrivera à trouver la réponse. Aujourd'hui, je vais vous proposer de deviner quel va être mon top 5 Neo Geo. C'est une vidéo, ce sera la prochaine vidéo Neo Geo. Ce sera même la dernière, hein, pour tout vous dire. Et donc, il va falloir que vous arriviez à deviner quel est mon top 5. Si vous m'avez suivi depuis le départ, je dis pas que c'est simple, c'est toujours un peu compliqué dans quel ordre, etc. Tu vois, c'est sûr. Mais vous devrez quand même avoir des bonnes idées. Si vous me connaissez pas, bah vous êtes dans la merde. Ouais, carrément. Donc, à vous de voir. Les conditions pour participer à ce concours sont simples. Il va falloir que vous répondiez en commentaire à cette vidéo, vous me donniez votre top 5. Mon top 5, pardon. Ben, vous deviniez mon top 5. Vous pouvez jouer deux fois. Une fois sur YouTube, mais il faut que vous soyez inscrit, enfin abonné à ma chaîne. Et vous pouvez jouer aussi une fois sur Facebook, mais vous vous soyez abonné à ma page Facebook. C'est les seules conditions. Par contre, vous ne pouvez pas jouer deux fois sur YouTube et deux fois sur Facebook, parce que sinon on s'en sort pas. Attends, vous jouez partout, c'est le bordel, quoi, tu vois. Donc en gros, l'idée, elle est simple. Vous pouvez jouer deux fois. Une fois sur Facebook, une fois sur YouTube. Mais il faut que vous soyez soit abonné à ma page Facebook, soit abonné à ma chaîne YouTube. Tout simplement, c'est comme ça. Et donc, moi, je déterminerai le gagnant. Évidemment, bah, le premier qui répond juste, en fait. Ça va se faire comme ça. Hein. C'est le premier qui trouve. Eh bah, il aura gagné, hein, tout simplement. Après, si vraiment personne trouve, ça me paraît très dingue. Mais bon, allez, c'est possible, tu vois. Mais eh bah, je prendrai celui qui se rapproche le plus. Voilà, clairement, en espérant qu'il n'y ait pas d'ex-écho, mais après, non, parce qu'avec le temps, on devrait pouvoir gérer. Donc, normalement, ça devrait être faisable. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous faire gagner? Alors, en fait, vous aurez un choix. Le gagnant aura un choix, parce que j'imagine que tous n'ont pas... Enfin, je sais pas exactement quelle bécane vous avez, etc. Ça va dépendre de la personne. Alors, première chose que je vous propose. Alors, c'est pas forcément des trucs de ouf, mais je vous donnerai un choix, à vous de voir. Premier truc, alors qui est en lien avec la Neo Geo. Ce King of Fighters 96 en loose. Alors, pourquoi? Parce que je ne veux pas vous escroquer non plus, hein, vous mentir. J'ai un problème chez moi, ce jeu, il marche, mais une fois sur 20, quoi. Je sais pas, il y a des trucs qui apparaissent à un moment donné, ça bug, tu vois. J'ai démonté la cartouche, il n'y a rien de spécial, tout marche bien. Je ne sais pas. Donc peut-être qu'un mec qui s'y connaît pourra trouver ça en deux secondes, voir ce qui ne va pas. Moi je ne sais pas, je comprends pas ce qui se passe. Donc je m'en étais chopé un autre évidemment après. Voilà, donc si pour les bidouilleurs, un KOF 96 qui marche une fois sur 20, mais il marche deux fois. Voilà, c'est tout. C'est juste des fois ça bug, je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est peut-être même ma Neo Geo qui a un problème avec ce jeu? Je vais savoir, je sais pas, parce que moi je l'ai pas essayé sur une autre console. Et le gars avec qui je l'avais acheté à l'époque m'avait dit que chez lui ça marchait très bien. Donc tu vois, mais bon, tu sais en connaissance de cause. Voilà, donc soit ça, soit un Loose Turtles in Time sur Super Nintendo. Soit Rapid Reload sur PS1. Par contre, Rapid Reload, je précise aussi, parce qu'après on va dire que t'es qu'un escroc, un connard. Donc il n'y a pas l'insert de devant. La notice est originale. Le jeu est original. Par contre, derrière, c'est une photocopie. Le truc derrière, là, ici. Tout ça. Voilà, comme ça, tu sais. Les jeux notices sont originales. Donc Rapid Reload, un putain de jeu. Hey, c'est que du bon jeu là les gars, Turtle in Time, machin, ça rigole pas. Ensuite, ou alors Mark of the Wolves, version Jap sur PS2, qui est complet. Ouais, qui est complet, bon état, nickel. Parfait quoi. Ou Shadow of the Colossus sur PS2, qui est complet aussi. Hop, voilà, notice, machin, propre le mec, tu vois. Non, je vous propose pas de la merde, hein, tu vois, là, on n'est pas là pour gagner un sticker, ça. Ensuite, ou, et c'est que des ou, hein, à chaque fois, hein, faudra choisir, les gars. Je fais exprès de faire un panel de consoles, parce que je sais pas ce que la personne qui gagnera aura. Street of Rage 2 sur Mega Drive. Par contre, il est en... Il n'y a pas de notice, voilà. Mais, voilà, c'est... Putain, petit Zemo aussi, les gars. Ou... Zelda Link to the Past sur Super Nintendo. État, je dirais, moyen, tu vois. Hop, je te montre un peu le truc.
un peu, ah, il a vécu, hein. Il n'y a pas la carte dedans, il y a notice, voilà la, le jeu, et puis la notice qui a vécu aussi un petit peu. Ou, alors là, il faudra choisir deux jeux. Ah, attends, je suis, j'arrive, les gars. Putain, c'est le bordel, tu vas vite comprendre pourquoi. J'ai tout foutre en l'air. Voilà. Deux jeux NES parmi ces jeux en loose. Alors, je vais t'énumérer les titres. Le truc, c'est que je sais plus parce qu'il y en a certains. Donc ça, on verra, je ne vais pas me faire chier avec ça maintenant. Celui qui gagne et qui veut deux jeux NES, on en discutera. Parce que j'en ai qui sont peut-être en PAL A, qui ne fonctionnera peut-être pas sur ta bécane, ou d'autres qui sont peut-être en US. Donc ça, mais ça, on verra le moment venu. Je vais juste énumérer les titres. Donc, c'est tout du loose. Hein. Alors, j'ai Zelda 1, Zelda 2, Kid Icarus, Donkey Kong 3, Ice Climber, Double Dragon 2, Exit Bike, Les Chevaliers du Zodiac, Tortue Ninja, DuckTales, Total Recall, Kung Fu, Super Mario Bros. Duck Hunt, tu sais la fameuse cartouche là où t'as les deux jeux en un, et pour finir Top Gun, je crois que c'est le 2, ouais, Top Gun Second Mission. Donc vous aurez le choix de prendre deux jeux parmi ceux-là. Voilà. Cool le mec quand même, et il est sympa le colique. Évidemment. Le but, c'est que vous partagiez un maximum cette vidéo, c'est de faire connaître la chaîne, et puis bah, de vous faire gagner aussi des trucs sympas, quoi. Donc voilà, si ce qui part pas cette fois-là, peut-être partira pour un futur concours, je ne sais pas. Pour avoir des idées, moi, c'est d'un coup, je me suis dit, putain, mais c'est vrai, je pourrais faire un concours, ça peut être drôle. Donc voilà, alors donc, commentez sur cette vidéo sur YouTube, vous commentez en dessous en mettant ce que vous pensez qui sera mon top 5. Sur Facebook, bah vous commentez en commentaire de cette vidéo aussi dans ce qu'elle sera mon top 5. Vous ne pouvez jouer qu'une seule fois par réseau, donc une seule fois sur YouTube, une seule fois sur Facebook. Et il faut que vous soyez abonné à ma chaîne sur YouTube si vous jouez sur YouTube et à ma page Facebook sur Facebook si vous jouez sur Facebook. Voilà, en fait, c'est aussi simple que ça. J'ai envie de dire, je ne demande pas grand-chose. Et donc, bah voilà, je vous laisse jouer, je vous laisse le temps. Et je pense que la vidéo Neo Geo de mon top 5 interviendra dans 2 semaines. Ça laisse 2 semaines quand même ouais, je pense 2 semaines, peut-être un peu plus. En tout cas, pas ouais, je pense 2 semaines. On va se dire 2 semaines, ça laisse du temps quand même, les gars. Je veux dire, même si t'as jamais vu aucune de mes vidéos, bah faut que tu te les tapes, bon courage. Et t'as bon, t'as 2 semaines, tu vois. Voilà, j'espère que ça va marcher. J'ai hâte de voir qui va gagner, j'ai hâte de voir si vous me connaissez, si vous allez trouver, peut-être ça se trouve un mec qui va trouver direct cash, je sais pas, ça va être marrant. Voilà, en tout cas vous avez 2 semaines, je vous embrasse très fort, à très bientôt, ciao.